Cela vous dit que vous êtes timide. Tu es là, tu as faim tous les jours, tu dis que tu es timide. Quand on a faim, on n'entend pas parler de timidité. C'est quand on a l'argent qu'on peut dire qu'on est timide. Ma personne, après mûre réflexion, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que l'argent n'aime pas les timides. Je répète, l'argent n'aime pas la timidité. Pour que tu puisses bien comprendre ce que je m'en vais te dire, je vais quand même te raconter une petite histoire parce que je sais que tu aimes les histoires. Tu sais, ça va faire bientôt 3 ans que je me suis lancé sur les réseaux sociaux à partager du contenu éducatif et tout, et aussi à partager mes expériences dans le business. Et au début, je ne te cache pas que lorsque je produisais du contenu sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube, j'étais timide à l'idée de repartager mes vidéos sur mon propre fil d'actualité Facebook. J'étais un peu gêné et tout. Jusqu'à ce que je comprenne que si je veux pouvoir me faire ma place au soleil, il faut que j'arrête d'être timide. Tu sais, ça fait 3 ans et aujourd'hui dans la communauté Facebook, nous sommes un peu plus de 36 000 et sur YouTube, nous sommes bientôt 10 000. J'ai enfin pu sortir mon livre qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business » qui est là. Juste le PDF, un PDF vendu à 5000 francs, en moins de 2 semaines que le livre est sorti, j'ai pu réaliser un chiffre de 265 000 francs CFA uniquement en vendant le PDF. Je ne parle même pas de la version papier. Pourquoi est-ce que je te parle de la version PDF? Je te parle de la version PDF parce que une fois que j'ai écrit le livre, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un achète le PDF, moi je paie quoi? Je n'ai rien perdu. Une fois qu'il a acheté, je lui ai envoyé le PDF. Je garde toujours mon fichier PDF. Qu'est-ce que j'ai dépensé? 2 minutes pour gagner 5000 francs. Ceci n'a été possible que parce que j'ai accepté de mettre ma timidité de côté et je me suis lancé sur les réseaux. Et en partageant mon expérience, il y a beaucoup de gens qui ont rejoint la vision. Et du coup, ça crée une grande communauté où je peux produire du contenu et que je peux vendre parce que je sais que ça apporte de la valeur aux autres. Pendant ce temps, tu rencontres les gens qui disent qu'ils sont timides. Ils ont un produit, ils ont un business ou ils ont une compétence. Tu leur dis, mais lance-toi sur les réseaux. Il te dit, mais non, Valère, je suis timide. Ma personne, l'agent ne connaît pas la timidité. Regarde par exemple quand tu vas au marché. Quand tu vas au marché, on a toujours des vendeurs ambulants, surtout chez nous en Afrique là-bas. Tu vas toujours voir un qui est toujours en train de crier, oh, venez me tromper. Ceux qui sont au Cameroun ont compris. Hein? Venez me tromper. Les habits 200, 300. Il crie plus que tout le monde. En général, c'est celui qui crie plus que tout le monde qu'on remarque. Et c'est lui qui gagne plus d'argent. Pendant ce temps que toi, tu es là, tu as ton produit, tu as ta compétence, tu as ton service. On te demande de te lancer sur les réseaux. On te demande de communiquer dessus. Tu dis que tu es timide. Ma personne reste là, tu dis que tu es timide. Les gens qui ne sont pas timides vont chercher l'argent, ils vont manger. Toi, tu vas être là, tu vas dire, tu vas mouiller ta timidité. Tu sais, aujourd'hui, ce que je fais sur les réseaux sociaux et tout, il y a beaucoup de mes anciens camarades qui me disent que mes valets, tel que nous on t'a connu au lycée là, on ne s'attendait pas à ce que tu sois bavard comme ça sur les réseaux. C'est ce que moi, il leur répond souvent. Il a dit que ma personne, comment tu veux pouvoir t'en sortir si tu es timide? Quand j'ai compris que si elle veut manger, il faut que je sorte de ma timidité. Okay. Des fois, je n'ai même pas envie de faire des vidéos. Des fois, je suis gêné à l'idée de faire une vidéo. Mais quand je pense que si je ne me bouge pas, je n'aurai pas d'argent, mon ami. La timidité là, non. Tu mets dans le sac, tu jettes dans le voury. Mince. J'en vois souvent sur les gens qui me disent qu'ils sont timides. Mon ami, quand on cherche l'argent, il n'y a pas de timidité, mon ami. Donc, si tu dis que je suis timide, va tourner, man. Va pleurer ton foirage ailleurs. Moi, j'ai quitté mon job d'étudiant. Je travaillais dans la restauration rapide. J'avais un salaire fixe tous les mois. J'ai quitté mon job d'étudiant. J'ai dit que non. Maintenant, moi, je me lance à fond dans le business. Tant que j'étais dans le job d'étudiant, là, j'étais, bon, de toute façon, si je ne suis pas sur les réseaux, si je ne fais pas mon business, bon, ça peut quand même... Voilà, j'ai quand même mon salaire qui va tomber. Mais quand j'ai quitté mon job d'étudiant, j'ai senti que ici, non, j'ai fait ce qu'on appelle, j'ai brûlé mon bateau. Donc, j'ai éliminé le plan B. Voilà, je n'avais qu'une seule option. Ou mon business marche, ou je meurs de faim. Et quand tu es dans cette situation-là, ma personne, tu n'as plus le temps de penser à la timidité. Tu vois, les gens, ils ont le produit. Tout ce qu'ils se contentent de faire, c'est de partager les trucs sur WhatsApp. Ma personne, en partageant sur WhatsApp, c'est sympa quand tu veux faire 200, 300 000 francs, 10 000.
Mais si tu veux aller à un autre niveau, ma personne, il faut aller sur les plateformes qui sont conséquentes. Facebook, YouTube et tout ce qui va avec. Mince! Tu dis que tu es timide, ma personne. L'argent n'aime pas la timidité. Si j'ai pu vendre ce livre, plus de 265 000 francs CFA, moins d'un mois, c'est parce qu'il y a des gens qui suivent ce que je fais et qui aiment ce que je fais. Et ils se disent aussi que ce que je vais mettre là-dedans est aussi pertinent. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez souvent quoi? Vous dites que vous êtes timide, vous êtes timide. Mais quand vous prenez là-dedans, il n'y a plus de timidité. Mais quand vous dites que vous avez un produit ou un service, faites-vous connaître. Je suis timide, je ne peux pas parler devant une caméra. Bon, comme tu es timide, là, mange ta timidité, minalmi. L'affaire à m'énerve, je ne sais pas que vous pas. L'affaire à m'énerve. 265 000 fois. Moi, des fois, ce matin, quand je regardais les chiffres, j'ai halluciné. En vendant les PDF, j'ai dit les PDF, ça n'a été possible que parce que j'ai construit une communauté. Et pour construire une communauté, il faut mettre la timidité de côté. Vous êtes là, vous dites que vous êtes timide. Tu es là, tu as faim tous les jours, tu dis que tu es timide. Quand on a faim, on n'entend pas parler de timidité. C'est quand on a l'argent qu'on peut dire qu'on est timide. Mince! Ma personne, c'était pour te dire que tu as un produit que tu veux faire connaître. Mon ami, ta timidité, la mets dans le sac, tu vas travailler. Tu vas te faire connaître, tu fais le bruit, tu parles pas, tout on doit voir que toi. C'est comme ça. Oh, magie. En tout cas, ma personne, moi, j'étais en train d'aller en stage comme ça. Hein. J'ai mes patients qui m'entendent, Comme il t'a dit, un pied à l'école, un pied dans le business. Si tu veux savoir comment on fait, voilà le livre. Sinon, ne m'envoie pas de message. Si tu veux savoir comment on fait, j'ai tout mis là-dedans. Beaucoup de gens me disent, ouais, voilà, je veux me lancer en business, je ne sais pas comment m'y prendre. Ouais. Si tu as cette question, voilà le livre. Si tu n'es pas capable d'acheter ce livre pour pouvoir level up, ne m'envoie pas de message parce que rien ne te dit de plus. Tout est là-dedans. Parce qu'il y a tous les gens là qui veulent avoir la bonne connaissance, la bonne information. Mais ils refusent de mettre le prix, ma personne. La bonne information n'est pas gratuite. Si tu cherches le gratuit, va continuer à télécharger tes PDF ou tu télécharges d'habitude. Mais ce livre-ci, si tu le veux, tu l'achètes. Et tu l'achètes chez moi-même. Ou bien chez mon associé. Oui, c'est comme ça, ma personne. Voilà. Si tu veux entrer en possession de ce livre, un pied à l'école, un pied dans le business, je te mets le lien en haut ou en bas. Bref, quelque part dans la vidéo, là, tu vas voir un lien apparaître. Tu cliques dessus et tu lis le livre. Tu vas voir que mon personne, le livre aussi est super. Mince! Il dit 265 000 francs en moins de 2 semaines que le livre est sorti. Rien que le PDF. Quand je vends un coup de production, une fois que j'ai écrit le livre est là, non? Est-ce que j'ai encore payé quelque chose? Ma personne, on est ensemble.